Ta-da-da-da-da! Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le lundi 15... Oh, j'avais plus l'heure, tiens, là. Ni la date ni l'heure, il est midi 1 et nous sommes le lundi 15 septembre 2014. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur jeuxvideo.com et plus particulièrement sur Gaming Live, sa web TV, en tout cas l'une des web TV. Vous avez l'ensemble qui a été affiché juste au-dessus, les programmes sur chacun. Et je vous donne dès maintenant le programme de Gaming Live aujourd'hui, midi 14, midi tout clic avec moi-même Alex Click. Nous serons sur Dead Rising 3, ça va farter du vampire et ça va le faire bien. À 14h, vous retrouverez Julien Fontanier, où il sort le Smash Bros 3DS qui a l'air hyper fun. Il le testera avec vous à partir de 14h à 18h. Vous retrouverez Tech pour du Let's Play. C'est le programme de votre journée sur Gaming Live. Si vous voulez nous rejoindre et discuter tout au long de l'émission et même de la journée, c'est très simple, il y a Kiwi, c'est sur la droite. Vous mettez un petit pseudo, vous rejoignez les 112 personnes actuellement connectées. On dit bonjour notamment à Max001, à JPKoff, à JackieJuju84, à Ins, à Jom, à Syndrome, à Tado, mon petit Tado, à Cut, etc., etc. Et vous êtes actuellement plusieurs centaines à regarder cette émission. Et tant mieux, bonjour. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous avez vu le machin Dead Rising 3, vous voyez, ça arrive. Je rappelle que ce jeu est déconseillé aux moins de 18 ans car il y a des zombies qui mangent des gens qui mangent des zombies, des gens qui découpent des zombies qui découpent des gens. Enfin bref, vous verrez, c'est pas tout rose tout rose. Ce jeu est sorti le 22 novembre 2013 sur Xbox One et c'est édité et développé par Capcom et sorti le 5 septembre sur PC. La release est un petit peu long à venir, mais comme d'habitude sur les jeux portés en exclus sur Xbox, sur console entre guillemets, ça met toujours un petit peu de temps à arriver et c'est normal lorsqu'on parle d'exclus de sortie. Pour m'accompagner cette semaine, j'ai pris un allié de choix, un découpeur de zombies de père en fils, puisque ce jeu est disponible en coop. C'est donc en coop que nous le ferons pour largement plus de fun. J'ai avec moi un homme... je sais pas comment te présenter, tiens, aujourd'hui. L'homme, j'ai avec moi Jinta. la vieille présentation de merde. Ouais, bah y'a Jinta, sinon. Salut! Comment ça va, Jinta? Ça va, prêt à bon. Scalper du zombie. Ouais, je gagne un peu de temps le temps que ceux qui n'ont pas 18 ans se rendent compte qu'il faut pas rester. Calme, âme, sensible, s'abstenir, va y avoir... ça va saigner. Tiens, d'ailleurs, je vous parle du phone click. Le phone click, c'est ce numéro. Tenez, je vous le fais apparaître. Hop là, numéro local, il vient d'apparaître. Vous pouvez appeler en fin d'émission pour pouvoir poser vos questions, donner votre avis sur le jeu. Régulièrement, maintenant, on le fait en fin de semaine avec beaucoup plus de temps, style une heure. Et ce week-end, j'avais décidé de travailler le phone click sur une machine dédiée. Sauf que je suis trop con. Je pensais qu'en mettant en fait le phone click, c'est un VOIP que je mets sur le PC, sur mon PC. Et tout simplement, ça me permet de prendre vos appels. Mais les gens qui sont avec moi, par exemple Jinta aujourd'hui, si je prends des appels, il ne vous entend pas et vous ne l'entendez pas, ce qui est chiant. Donc je me suis dit, ça y est, j'ai la solution universelle. Récupère ton vieux PC qui est à la cave. Tu mets tout dessus et tu les mets sur TS. Bah ouais, en théorie, c'était bien. Sauf qu'en pratique, ça veut dire que la machine dédiée, l'entrée et la sortie, c'est la même carte son. Ce qui fait que quand on parle ou quand on entend, et bah ça fait une boucle universelle. Voilà, ça fait un écho magnifique. Vous m'excusez. J'ai encore ma laryngite sinusite de... Merde, elle veut pas partir. Elle est en fin de vie, la sinusite. Mais ça va. Bon, trêve de papoterie. On va aller gambader dans la forêt, mon cher Jinta. C'est parti pour du Dead Rising 3. Et il va falloir qu'on commence chacun dans notre coin. Puisque le début de Dead Rising 3 va se faire en solo. Le chapitre 0 se fait en solo et on peut se rejoindre après. Quand on sera dans le bar, on a testé un tout petit peu, très rapidement, 10 secondes, pour pouvoir faire les réglages du jeu. Et pour information, je jouerai avec une manette Xbox 360 reliée à l'ordinateur. Et nous partons en mode histoire. Non, recommencer histoire, ah oui. Bah oui, dans l'idée. Alors, plusieurs modes de jeu. Ok, c'est parti. Complétiste. Vous allez être mis en relation avec des joueurs qui veulent explorer, vivre le jeu à fond. Ouais, non, arrête. Speedrun. Ce style de jeu vous permet d'être mis en relation. Ok. Détente, c'est bien détente, hein, Jinta. Ouais. Ouais, c'est bien détente. Allez, détente. C'est parti, mon kiki, pour de la détente. Donc on va le faire toute la semaine, de lundi à vendredi, c'est vous qui avez voté, je vous rappelle, vous aviez le choix entre 5 jeux différents, totalement différents. Vous avez voté assez massivement pour Dead Rising, je pense que c'est quelque chose qui vous plaisait. Et voyez, regardez, oh là là, c'est un petit Peggy 18. Ça le rappelle que ce jeu est déconseillé au moins de 18 ans, hein, bien dit déconseillé, il n'est pas interdit, il est déconseillé. 7h14, première infection zombie signalée.
7h15, tout le monde est mort. Est-ce que dans celui-là, nous demande Hortalinge, très très joli pseudo d'ailleurs, est-ce que dans celui-là, le perso peut courir? Parce qu'il était lourdingue dans le 2. Moi j'aimais bien, le 2 était complètement lourdingue, mais c'était fait exprès, je pense. Il y en a qui veulent qu'on passe en extrême. Je pense que déjà en détente, on va bien en chier. Je pense que déjà le chapitre 0 va me falloir 8 heures avec mon skill légendaire, mais donc tout va bien. 36 heures après le début de l'épidémie, l'armée barre toutes les sorties de la ville. Ordre de tirer à vue sur tous les contrevenants. Les contrevenants? Pourquoi ils ont mis contrevenants? Bonjour au monsieur, c'est la police. Êtes-vous un contrevenant? Mais tu peux pas lui dresser un procès verbal. Contrevenant, si tu peux dresser un... Bref. Je vois bien le flic. Monsieur, je vous mets une amende. Ouais. Monsieur, vous vous calmez tout de... Monsieur, arrêtez de me manger le bras, s'il vous plaît. Monsieur, c'est désagréable. S'il vous plaît, monsieur, je vais être obligé d'utiliser mon taser. Marius, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être marrant, un coup de taser sur un zombie. Il y a un monsieur, il me mange le bras. Je lui mets une amende, il me mange le bras. 72 heures après. Bah voilà, 72 heures, tout va bien. Non? Ça sent pas bon. Non. Bon, ce vélo roulera moins bien. Le panneau disait de préparer ses papiers d'identité. Ça devait être un barrage. Et ça, c'est moi. Le sang. L'abeille, là? Non, pas l'abeille. Ah non, le bonhomme. Le bonhomme. J'ai un petit décalage, chanteur. Où on est tous morts. Faut qu'on trouve un moyen de quitter la ville où on est tous morts. Là, on est gauche. Je m'appelle Nick. Nick Ramos. Réparateur de bagnole de père en fils, tatoué 12. Je veux pas vous dire à quoi ça correspond, c'est indécent. Y'a Tado qui nous dit sur le chat, bah ce rythme là les gars, la coop c'est pour demain. Ça va, calme-toi, s'il te plaît. Bah, je me suis porté volontaire déjà. Bon, ils avaient quand même un sauvegarde réussi, putain, il est déjà pas bien. J'arrive, mon perso, il fait la gueule. Ah, ils vont m'apprendre les bases, ok, avancer, B pour ramasser les objets à proximité. Donc j'ai ramassé un snack. X pour le manger. Allez hop, bouffons des chips. Il faut plus que ça. Il y avait un gros pari quand même, moi j'y ai pas joué sur console, le gros pari c'était que le 2 était très très fun, très sympa, une arme, cool. Et surtout qu'ils avaient annoncé vraiment un monde ouvert. Vous savez, c'est le fameux monde ouvert, ça c'est tout le temps. Les éditeurs, ouais. Pour l'instant j'ai pas trouvé de touche pour courir, je sais pas. RB pour accéder à l'inventaire, et donc RB, ok j'ai que ça, donc en même temps, et LS pour lâcher un objet, tenez vos pieds sur ça. Ok, d'accord. Simple. Pour l'instant, simple comme bonjour. Allez, un camion, allons-y. Oula, tu vas pas te réveiller toi, hein. Ok, je prends une ration, je prends deux rations. Comment je change? Ok, comme ça. Et je peux rester appuyé. Ok. Je peux encore prendre quelque chose. Non, ça j'ai tout pété. La caméra, on sent qu'il y a une grosse évolution, hein. Elle est toujours aussi caca, mais tout va bien. Ok. De prendre en main un peu les armes, etc. Le 2 était très fun, et surtout, ils nous ont promis ce fameux monde ouvert. Et alors, ça, c'est tout le gros problème. C'est qu'à l'époque, beaucoup de gens pensaient... Il y en a un qui va se réveiller de zombies, je vous le dis tout de suite, je vais encore faire un bond, moi. Tout le monde pensait à du massivement multijoueur. En mode, tu serais avec tes potes, tu te ferais une baraque et tout. Qu'est-ce qu'il y a au sol? Un plateau, une chaise, je m'en fous. Et en fait, pas du tout. Et en fait, foutrerie, c'est faux. Ils avaient jamais parlé de MMO, mais nous, dans notre tête, ça nous a tous traversé l'esprit. Oh my god, monde ouvert égale massivement multijoueur? Non. Égale coop à deux, si t'es gentil. Après, ils s'étaient jamais penchés là-dessus, ils avaient annoncé un monde ouvert. Putain, ça a l'air de craindre ici. Ça craint du boudin, ouais. Bon appétit d'ailleurs, hein. Si vous êtes en train de manger, n'hésitez pas. Nous allons vous préparer du petit zombie. Oh putain! Ah ouais, mais non, je reste pas là moi.
Ah super, il allume toutes les lumières, tout va bien. Oh bah oui. Oh la vache. Oh la vache. Oh oh. Ils sont bien enfermés. Je sais pas si t'es au même endroit que moi. Mais ah, moi, je suis rendu juste après. Ouais, tu vois, je veux dire. Oh la vache, faut que je me casse là. Si ça cède, je suis foutu, je suis un homme mort. C'est déjà le bazar. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Casse son dos. Enfin, tu vas voir qu'il y en a un qui va se réveiller. Il y en a un qui va se réveiller. Il y en a un qui va se réveiller, il va essayer de me bouffer. J'ai gagné. Mais fous-moi le camp. Comment on fait? Y, attaque au sol. Atatata. Non. Tiens, bouffe-moi ça. Je t'avais dit qu'il y en a un qui allait se réveiller. Je t'ai rien dit, Jinta. Continue ton aventure, tu vas voir. Je suis déjà revenu après. Ouais, mais il me faut... Alors attends, faut que je vire des... Voilà, bouffe-moi ça, on s'en fout. Je préfère une deuxième arme parce que de mémoire, si c'est pareil que dans le 2, t'es vite à court d'armes. Ah mais casse-toi, casse-toi. Casse-toi. Casse-toi, qu'est-ce que je fais? Comme dans le 2 ça. Faut anticiper tes mouvements, dès que t'as appuyé c'est trop tard, ça part. On va les esquiver, sinon on n'est pas rendu. Bonjour, excusez-vous. Bonjour, bonjour, je suis Nick. Enchanté. Voilà, faut sauter. Qu'est-ce que c'est ça? Pistolet tactique, mais attends. Je vais me faire une joie de tester ce pistolet tactique. Voyons comment. Est-ce qu'il grimpe? Est-ce qu'il grimpe ou est-ce qu'ils sont cons? Ah, je trouve un peu d'échappement. Mais je teste le pistolet tactique. Ouais, comment il recharge? Ils ont dû le dire, mais j'ai pas regardé. Oula. J'aime pas les pistolets, je préfère largement le corps à corps dans ce jeu. Voilà, lampe, on s'en fout. Bon, allons-y gaiement, ça sert à rien de tous les buter. Et je crois de mémoire. Ah, j'aurais pu tirer là-dedans. Ouais, ça aurait été fun. Ah, attendez, hop. Voilà, pour vous montrer ce que ça fait les gros bombardements. Ah là, il monte par contre. Non? Ah, de la dynamite. Bon, testons la dynamite. T'as trouvé de la dynamite? Ouais, ça nous prend 2 secondes. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé une hache, mais... Non, pas ça, c'est pas ça. Et j'ai encore un peu de mal avec les boutons. Hein. Bon, c'est tout pété. Voilà, on a lancé de la dynamite par là. J'en ai 2 apparemment. Bouillie de zombies. Wow, parce que j'ai fouillé vite fait. Hein. Je suis tombé dessus. Les armes ne se rechargent pas. Ça, c'est con. Bon, après, il faut préférer... Oh, j'aurais pu me battre avec un pot d'échappement. Ça aurait été épique. Je préfère largement les armes de corps à corps dans un Dead Rising. C'est quoi ça? Ah, sauf... Merde. Sauf si... bah, des grosses mitraillettes, etc. Mais pour du pistolet... Non, merci. Plus de balles, l'arme tombe et c'est fini. Ouais, comme dans le 2. Tiens, je croyais que t'aimais pas les jeux d'horreur, nous dit Folgwen. J'aime pas les jeux d'horreur, c'est pas un jeu d'horreur. Vous avez craqué, c'est un jeu d'aventure. Il y a du zombie, c'est pas parce qu'il y a du zombie que ça fait peur, c'est pas un jeu d'horreur. Il y a Jay Zombie qui dit pour moi le défaut de cet opus c'est le charisme de rouble des deux héros. On est très de la classe des héros des épisodes précédents. Ah, les épisodes, le 2, il a juste une classe inconsidérable et surtout dans le 2. Et là ce fameux double côté héros du père, il est à la fois père, il doit sauver son fils, mais en même temps c'est un homme. Y arrivera-t-il? Oh, putain, ça va chier là. On se fait courser je crois. Là je crois qu'il faut qu'on embraye sévère parce que c'est la merde. Y'a Kex qui dit que le héros me ressemble. Si tu veux, ouais. Pas du tout. Si tu veux, à fond, quoi. Et Capcom m'a appelé. Souhaites-tu modéliser le héros? Vous avez enfin trouvé. Allez, Nick, cavale un coup. Oh, ça doit faire mal aux coucouilles, ça. Il s'est laté les couilles sur la barrière. Ou le bas du ventre, en tout cas. Mais il s'est laté quelque chose. Oui, je pense que là, il est dans le mal. Oh merde! Les zombies sont tardes en fait. Dans les Dead Rising, c'est fait exprès, mais ils sont tardes. What? Oh putain! Tout va bien. Personne ne nous aime dans ce jeu. Et un pilote d'avion, il fait oh, je quitte. Je vais atterrir là. Ou alors il a été zombifié. Le mec, il s'est dit
Allez hop. Cette autoroute a l'air plus ou moins agréable. Atterrissons dessus. C'est, il y a Kex qui dit, tu t'appelles dorénavant Alex Nick. Tiens, je vais laisser l'intro, moi. Les musiques sont bonnes. Toujours. Enfin, toujours. Dans le 2, elles étaient excellentes. Moi, j'attends un petit peu, je suis rendu juste après l'intro. D'accord. Bien, quand il y a comme ça, on avance en même temps. Et normalement, on pourra se retrouver au chapitre 1 quand on sera dans le bar, mais le chapitre 0, qui est un peu en quelque sorte le tutoriel et la découverte, se fait en solo. C'est un choix de Capcom de laisser une première part solo de quelques dizaines de minutes pour se faire la main avant d'arriver à deux. Je trouve ça plus ou moins vraiment intéressant. Et il y a vraiment y a différents modes de jeu. On reviendra dessus dans le menu principal demain en lançant la partie. Plusieurs modes de jeu. Ah non, hein, ça va faire peur là. Hein. Le mec, c'est une flippette. Bah Alex, calme-toi. Du monde, hein. Il y a des zombies. Pas qu'un peu. Allez. Au revoir. Ils se sont lâchés sur les zombies. Graphiquement parlant, pourtant je suis à fond. Je suis en ultra. C'est pas dégueu, hein. C'est même très beau. Mais je l'ai un peu trop attendu ce jeu. En tout cas sur PC. Le gros problème, on en parlait aux ceux qui étaient là quand on a fait l'interview des développeurs de The Crew. Un peu le problème, c'est que les jeux sont préparés sur console. Ah, LB pour sprinter. Ouais, il sprint avec ses fesses là. Allez, allons-y. Là, on va éviter de. On va passer par les voitures. Ouais. Pourquoi je suis en feu? Pourquoi j'avais le slip en feu? Ok, Emily. Est-ce que je peux sauver Emily? YOLO! Je sais pas quitter, mais. Emily! À l'aide! Poussez-vous! Ah merde, je viens de latter Emily! Pousse-toi, Emily! Je te libère! Merde, je crois que c'est moi qui ai achevé Emily. Voilà. Non, Emily, elle est morte. Elle est morte et enterrée? Ah merde, elle a succombé. Coup, ouais, je me casse. Vu que je t'attendais, bah du coup, elle a dû partir. Ah, mais moi j'ai essayé de l'aider, elle a succombé quand même. Ça pète de partout, hein. Oh, c'est le merdier. Poussez-vous, les zombies! Je vais faire semblant d'être un des leurs. Cindy a succombé. Il y avait une Cindy? Merde. Bah désolé Cindy. C'est quoi? C'est les survivants de l'avion? Aïe aïe aïe. Oh je crame. Ah le con. Ah c'était Monique. Si vous connaissez pas Monique. J'ai trouvé une arbalète. Ça passe au dessus. Cool. T'es où? T'es dans l'avion? Non. Je suis après l'avion. Ah non je suis pas encore dans l'avion. Je vais rentrer dans l'avion. Non moi j'ai tracé là. J'ai tracé en me disant que des armes. Putain, j'ai plus de stamina ou quoi? Où est-ce qu'on la voit la stamina? En haut à gauche, il me semble. Ouais, mais un coup, non, c'est la vie, hein, haut à gauche. C'est la vie. Un coup il court, un coup il court pas, mal bien. Bon, dans l'avion, t'es plutôt moins safe. Je vais prendre donc à manger. Voilà. Et vous voyez que mon. Elle clignote en rouge. La petite valise pour se battre, c'est pas top. Un sac à main. Oh, ça peut être swag ça, regardez. Vilain! Oh, on va se battre avec un sac à main, ça c'est swag. Attendez, on va faire un test. Test du sac à main première. Rentrez chez vous. Rentrez. Un couteau de chasse. Attends, je vais prendre le couteau de chasse. Jabaronné là. Je le finis au sac à main. T'es mort? Et qui s'est foutu? Ouais. Juste quand je voulais régénérer, il y a un zombie qui était par terre et il m'a sauté dessus, il m'a croqué. C'est bon, là je suis un peu plus. Je suis un peu plus qu'au sac à main, on n'y croyait pas. Là c'est bon, j'ai un couteau de chasse. J'ai personne derrière moi. Et. Ça va, tout va bien. Devant moi, il n'y a pas juste 250 zombies. Tout va bien, ça va. Même pas peur. Allons-y. Ok, technique du. Eh, regardez là-bas, lui, c'est pas un zombie. Non, il bouge pas. Ok, je vais passer par là. Merde, mais ça sent pas bon là. Hein. Putain, il y a du zombie. Hein. Je peux me battre avec une barrière de route. Ok, je la sens comme bien comme ça. Attention, premier fail de la journée, c'est parti. Oh, ça va à peu près. Bon, ça va, ça va. C'est plus ou moins maniable, mais on sent en fait que dans les sauts, entre les voitures, ils sont très dirigés. Les sauts sont hyper dirigés. En fait, on sent que le personnage, quand on saute, raccroche à la voiture. En fait, comme si, tu sais, il avait. S'il y avait une ligne de conduite. Alors, je me cachais les pièces de moteur, je pense que ça sert à faire des voitures. Mais là, pour l'instant. Oh putain. Tuer les zombies pour gagner les PP. Wata. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est pas mort. Voilà, on va essayer de par là. Jusqu'à l'avion. Hop là. Hop là. On va monter là-dessus. Hop. On passe ici.
Ils ont l'air con comme leurs pieds comme dans le 2 et ça tombe bien. Pardon, je suis désolé de tousser. Et je suis malade. Ah, y a un trou là. Non, moi j'ai pas trop envie. Allez-y, sautez comme des tardes, je vérifie l'arrière, y'a personne. Allez, sautez, sautez. Alors par contre, faut pas que je me loupe là. Saute, je dis. Allez. Et reste-toi là. Allez, Robert. Par contre, c'est bizarre là, ça doit être phasé. Pourquoi? Parce qu'il y a personne qui me suit en fait. Là, je suis limite safe. Voilà, on va passer ici. Ah, t'es mort ou t'es pas mort, toi? Je crois qu'il a un casque. Il a une perceuse et un casque de chantier. Est-ce que je peux prendre le casque de chantier? Je peux pas le mettre sur la tête? Oh, une perceuse. Bon, là, je suis tranquille, mais... Pourquoi je peux pas mettre le casque sur ma tête? Je voudrais mettre le casque sur ma tête. Comment on fait? Y'a pas une touche inventaire? Ça, c'est chaud. Donc, inventaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres infos? Santé et aliments, combiner les aliments... Ah, on peut combiner les aliments! C'est une bonne chose. Je suis en solo, donc ça m'épose. On est plutôt tranquille, là. Mais ça dit sur le chat, il a toussé, il est sûrement infecté, exactement. Donc, une fois le combat dans le gros, maintenez RB, sélectionnez votre aliment actuel en appuyant sur A, utilisez RS pour choisir le second et appuyez sur A pour combiner. Ah, c'est cool, tu peux combiner les trucs pour faire des super trucs. Cool. Locomotion, combat de base, combat avancé. Alterne entre deux attaques légères et puissantes. Ok, Y et X. Ok, compteur de skill, ok, coup, prise, bon on verra ça tout à l'heure. Arme et combo, ça pourrait être pour les créer. Bon, tout va bien. Qu'est-ce que t'en es rendu toi? Bah, je viens de passer un endroit où les zombies tombent dans un fossé. Et j'ai un casque. D'accord. Et une perceuse. D'accord, je suis juste après toi là. Mais je garde mon couteau. Oh la perceuse, allez, on a qu'une vie, on en trouvera des couteaux. On va trouver le restaurant. Bon bah allons-y. Je suis dégoûté, je pouvais pas mettre le casque sur ma tête. Oh le lag. Oh le lag de l'infini. Ronda, Ronda, ouvre la porte. Je sais pas qui tu es mais ouvre-moi s'il te plaît. On va avoir des problèmes. Allez, 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 allez. Mais bon sang, qu'est-ce que c'était que ça? Comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes. Ça va, Nick? La voix de Ronda me dit quelque chose. Vous avez trouvé quelque chose à bouffer? Je vais trouver qui c'est. J'ai trouvé ça là-bas. Ça pourrait être utile. Ah, t'es le blond, toi? Ah, je sais pas. Faut que je t'invite. T'as ta famille à retrouver? Des parents? J'ai personne. Moi non plus. Eh, ça vaut mieux comme ça, parfois. Ça sent le Zombrex. C'est la dernière. On est presque à court de tout. Tu vois? Si les gens comme toi se faisaient poser des puces comme des citoyens responsables, on serait pas dans ce merdier. Ah, tous ces gens sont pistés par GPS. Ils sont prisonniers. Ils respectent juste la loi. Ces puces GPS contiennent du Zombrex. Elles empêchent les infectés de devenir des zombies. Bah, ça a pas l'air de marcher terrible. Regarde dehors. Oh, les illégaux, vous n'êtes que des emmerdes. Vous pourriez pas la fermer? Ils vont nous entendre. Je te conseille de te calmer, petit con. Du moment qu'ils sont dehors, inutile de s'inquiéter. Oh, l'abruti. Oh, mais quel abruti. Ouais, c'est parti pour jouer avec les zombies. Abruti.com. Ah, c'est ça, merci à Georges Alain qui dit que c'est la voix de Hayley dans American Dad. Je me disais que je connaissais cette voix. La voix française, hein, bien entendu. Oh, ma maman. Peter. Oh, lui, ils sont vraiment cons, hein, c'est chaud. Ouais, soyons francs, ma mère, je la donne à bouffer. Hein. Ah, faut survivre dans la vie. Ma mère, elle me dit, ah, oh, j'ai peur. Je dis, attends, vas-y. Elle file, maman. Ah bah voilà, regarde là, voilà, voilà, elle est partie essayer de négocier, Peter c'est pareil, allez au revoir Peter, à bientôt. Attention mesdames et messieurs, moins de 18, hein, il va se faire bouffer Peter, hein. Soyons francs, voilà, Peter a servi d'entrée, la maman fera le plat. Ah, c'était les tripes de maman ça, à la mode de maman. Bonjour. Ah, par contre tu viens de vomir, Jutta, ton personnage il... Préparez-vous à courir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Zombrex, en fait, il faut suivre les premières séries. Il y a un antidote au fait de se faire mordre par les zombies. Pour pas devenir zombie, il faut prendre du Zombrex. Une dose toutes les 12 ou 24, je ne sais plus. Enfin, une dose régulière. Sinon, tu te transformes en zombie. Et donc, dans le monde entier, c'est possible de prendre du Zombrex. Voilà, mais c'est très cher. Donc ceux qui n'ont pas la thune, pop, pop, pop. Je vais essayer de fabriquer un truc.
Il y a Mad Jack qui a pas totalement tort, ils sont en fast food. Ah, faut que je bricole un truc, cool. Prends la masse. La scie glissante. Ok, RB pour combiner deux objets. Donc je fais A. Et je fais. Combo. Fabrication. Allez. Badass. Ça par contre c'est amélioré. Avant fallait aller à un truc d'arme. Attention, je passe devant. Ah oui, j'ai juste blindé de monde. Ok tout le monde. On doit partir par la porte de derrière. Il doit y avoir moins de zombies. Est-ce que je peux t'inviter? Je regarde. Non. Et j'ai rien qui me propose pour l'instant de t'inviter. Je sais pas trop comment on va faire, Jinta, pour se retrouver, mais tout va bien. Ouais, je pense qu'il faut encore attendre un peu, mon ami. Allez, je sais suivez-moi. Pas toi, mais je n'ai pas réussi à ouvrir la porte. Ok. T'as pas réussi à ouvrir la porte? J'arrive pas à ouvrir la porte. Bah, c'est peut-être parce qu'en fait, il faut que ouvrir. Tu sors par l'arrière. Ah non, en fait, il faut juste qu'il appuie sur le bouton déjà. Boulet. Mais qui est boulet? C'est ça. Oh, c'est badass cette arme. Allez, bonjour. Salut, c'est moi. Oh, lui. Oh, ça découpe. Attends, touche pas à Ronda, quoi. Ronda, elle nous fait des petits plats comme personne. On doit aller à 100 mètres. Si je continue comme ça, on n'est pas rendu. Allez, on y va, là. On me suit, la troupe, là. Bonjour, madame. Vous n'avez pas payé vos impôts, monsieur. Contravention. Je gagne des PP, moi. Aussi. On gagne plein, plein, plein. En fait, je vais commencer à pleurer quand mon arme va devenir rouge. Oh, oh, ça c'est beau ça, je veux le refaire. Allez, c'est l'attaque badass. Ouais. Allez, suivez-moi, qu'est-ce qu'ils foutent? Allez, 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 allez. On n'a pas le temps, il y a des zombies, il y en a plein la map. Hein. Donc si on attend, on n'est pas rendu. Et après, on pourra piloter des voitures. Il faut baisser cette barrière. Ah, c'est au garage qu'on peut... Allez, elle va se réveiller, je le sens, je sais pas pourquoi. Elle va se réveiller d'un coup. Ah, faut monter en bagnole là, tout de suite. B. Ok, allez, monter en bagnole. Oh putain! Ronda, Ronda! Mais embraye! Ah bah ça va, Ronda elle prend son temps. Oh, tout va bien. Poussez-vous! Oh le merdier. Oh le merdier. Et la voiture peut péter, hein, pour information. Oh le merdier. Oh là là, oh là, oh là, bonjour. Bien d'écraser tous les zombies. Ouais, mais ta voiture, fais gaffe, si elle devient rouge, après elle fume et elle pète, je crois, de mémoire. Oh là là, oh là là, oh là. Pas besoin d'aller à la fête foraine pour faire les auto-tamponneuses. Hop là. Au secours, oh, je m'arrête pas, hein. Faut s'arrêter là. Bah vas-y, grimpe. Oh, Jean-Louis là. Oh putain, faut que je descende. Attends. Bonjour. Zombie associé. Vous avez des problèmes de nuisibles? On s'en occupe. Voilà, fous-moi le camp. Oh merde, c'était Nick ça. Pardon Nick. Il y a des copains à sauver. Bah descends. J'ai tué tous les zombies, arrête d'être con. Descends du truc. Oh c'est pas vrai ça. Allez c'est bon monsieur. Mais descends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, je vais aller le voir. Est-ce que je peux monter lui faire un coucou? Voilà, monsieur. Monsieur. Oh là. Mais j'ai éliminé tous les zombies. J'ai ma super arme, elle est cassée. Non mais éliminer tout. Voilà, voilà, voilà. Allez, on se casse, là faut partir là. Là faut monter en voiture les loulous. Les loulous, maintenant là, maintenant. Dans l'idée maintenant. C'est bon, j'ai tout le monde ou pas? Machin, Jean-Paul là. Non, il se casse tout seul. Je l'ai aidé, il se casse tout seul. On a oublié quelqu'un? Ouais, non, il s'est barré clairement. Ok. Bon bah on est reparti. Oh lolo, oh lolo. Pardon, excusez-vous, ça passe pas là. Hein. Ah putain, il y a des barrières en adamantium. Toi aussi, t'as voulu passer la petite barrière blanche? Ouais. Ça me faisait chier de faire le tour. Là, il fallait sauver la gonzesse. Après, faut y aller à pied, c'est ça. Hein. Non, non, faut aller à, sur la droite. T'as une fille à sauver sur un camion. Oh le merdier. Bonjour, my name is Papa. Papa Zonzon. Comment ça se fait qu'ils ont tous des armes à feu là? Y'a que moi qui est... Je crois que j'ai un pistolet.
c'est largement mieux au corps à corps. Voilà. Ah, regarde, parce que j'ai remarqué qu'on pouvait taper ses amis et leur faire mal et taper son véhicule et le casser. Ça peut être... Niveau supérieur, attention. On verra les points après. Hein. On va regarder back une fois que je serai tranquille parce que là, ça va pas du tout. Merde, c'est ma bagnole ça. Je viens de taper sur ma bagnole. Bon, Dick là. Hey, tu grimpes ? Hop hop là. Par où on rentre? Je crois que j'ai pas pris le bon chemin. Hein. Je crois que je vais finir à pied. Hein. Ah, fallait prendre la petite allée. Quelle petite allée? Juste à gauche du camion, il y a une petite allée où tu descends dans le camion de pompier. Du camion où t'as trouvé la fille là, vas-y. Ah, merde. Ouais, c'est bon, je suis. On peut rentrer dedans. Bon, là dans le cul, t'as laissé la voiture dehors? Ouais. Bon, bah allons-y. On sera pas du tout cramé, tout va bien. On y va. Bon. Oh, elle est trop balèze, Rhonda. Oh, j'ai bien cru qu'on n'y arriverait jamais. Toute la ville est foutue. Et peut-être que tout le pays l'est aussi. Où est la police? Où est la police? Où est passée l'armée? On devrait être à l'abri ici. Allez, Rhonda! Tu ferais mieux de vérifier qu'il n'y en a plus un seul ici, ok? Plus un seul! Elle va m'énerver, ça, quoi. Attends une minute. Ce type, il a une puce Zombrex GPS juste là. Mais ces puces de Zombrex sont censées empêcher les infectés de devenir des zombies. Et s'ils se transforment, ça permet de les suivre. C'est bien à ça que ça devait servir. C'est bon. Non, ça n'aurait jamais dû arriver. Rien de tout ça n'aurait dû arriver. On a besoin d'infos. Il faut découvrir ce qui se passe et savoir quand les secours vont arriver. Ils viendront pas, les secours, en gras. Bordel, la télé déconne encore. Je vais devoir trifouiller ces câbles. Ça risque de me prendre quelques heures, Nick. Tu devrais regarder ce que tu peux trouver là-dedans. Mais sois prudent. Fils de... Bon. Oh merde. Hé, hey, hé, hey, stop. Allô. Allô. Allô, s'il vous plaît. Hein? Attends, y'a un mec qui m'appelle. On est coincé dans... Hey mec, je vois ta bouche bouger, mais j'entends rien du tout. Quoi? Je t'entends pas, mec. Ton micro est naze. Merde. Je vous entends. Vous me voyez, non? Un peu d'aide? Vous êtes un flic? Si je suis flic? Elle est bien bonne, celle-là. Je suis un agent d'organisme d'entretien. Sanitaire. J'ai couru quand ce truc nous est tombé dessus. Je me suis enfermé dans une salle de surveillance. Ce truc civil anti-zombie, le ZDC. Ouais, un cadavre maintenait la porte ouverte. Alors, je me suis vite enfermé dedans. Je m'appelle Jamie Flint. Nick. Ouais, j'ai vu ta chemise, cowboy. Cowboy. Alors voilà le topo. Je peux appeler personne d'autre que toi. C'est le con. Oh merde. Mais ça pourrait être pire, tu vois. J'ai un paquet de chips. Il est tout un mur d'écran. Je commence à piger. Le système de défense des civils. C'est de fou. Mais garde bien ce truc, vieux. Je te rappellerai si je vois des gens en vie qui ont besoin d'aide. Et puis, peut-être que tu pourras m'aider avec deux ou trois petits trucs si ça te dérange pas. Hein, bien sûr. Le mec, en fait, il dit ça te dérange pas, mais il est typiquement dans la merde. Il est tout seul, enfermé dans une salle avec juste un paquet de chips, des écrans. C'est ça. Et il regarde. Il est plutôt sympa, il fait « Ouais, si ça t'embête pas trop des masses, non, t'hésites pas. Moi, en essence, je te dirai des fois des trucs. » Bon, sauvegarde réussie. Alors, déjà, je vais commencer par t'inviter, si je peux. Cherche aussi. Est-ce qu'avec un Alt Jinta, invité à jouer?
Une invitation a été envoyée à jouer à Jinta via Steam. Normalement, tu devrais recevoir quelque chose. Je suis en chargement pour rejoindre ta partie. Ah, il dit le mode coop est maintenant disponible. Donc tu arrives à Jinta, rejoins la partie. Magnifique. Alors, attends, je fais mes points. Donc, didacticiel, recette. Donc ça, faut acheter la catégorie compo alimentaire. Ok, plan de voiture. J'en ai pas, plan d'armes. J'en ai une, la scie glissante. Donc il faut une masse et une scie. Carte et mission. Alors regardons cette carte un petit peu là. Attends, cacher le volet, légende, retour, marqueur, zoom. Ok. Putain, c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas agréable en fait, là, les cartes sur manette. C'est pas si grand que ça, enfin en tout cas au premier abord. Je sais pas d'où on vient, où on va, mais... Oh mon dieu, il y a un chat IG. Oh merde, je t'entends en double. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faut qu'on enlève ça tout de suite. Ouais. Attends, hop, paramètres. Paramètres audio. Non. Volume des voix, mais je pense pas que ce soit ça, c'est du joueur. Style du jeu, super. Aide à la manette, commande clavier, commande. Quittez pas, hein. On cherche. Vas-y, parle pour voir. Test, test. Ah non, c'est pas le volume des voix. Ça y est, on a déjà pété le truc. Ça commence bien ça. Faut arrêter de foutre des... Plus personne n'utilise les chats in-game, hein. Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas, personne le fait. Hein. Il faut pas faire ça. Hein. Même sur console, les gens ils utilisent des invitations entre eux en fait. Je vois pas où ça peut être. Commande clavier. Bon déjà tu es apparu à côté de moi, tu vois. Ça c'est beau, mais maintenant tu dois te taire. Bah ouais, mais non. C'est stressant, j'ai l'impression que t'es partout en fait. Quand tu, même quand tu rigoles, c'est stressant. Moi. Ouais, arrête. Non, c'est flippant. hop là. Je vais tout casser. Par contre, j'ai pas trouvé encore les points. 5 jours. Ah ouais, d'accord. Dans 5 jours, ils bombardent la zone. Tout va bien. Donc, joueur, c'est ici. Attribut. Catégorie de combo. Je peux acheter des combos. Je peux prendre de la vie, remise en forme, longueur de vie. Il va falloir un peu plus pour vous. Ok. L'inventaire, ça m'intéresse. Je vous fais de l'effet, vous transportez plein de trucs, ok. Corps à corps, à distance. Ok, la mécanique, l'agilité, astuce. Ok, je vais prendre de l'inventaire, moi, direct. Voilà, de la vie. Non, je peux pas, j'avais qu'un point. D'accord, bah c'est pas grave. Ah, y'a Faust qui nous dit que tu peux désactiver le son dans le truc du menu principal. Ah, il faut retourner sur le menu principal. Attends, bouge pas, je vais tester. Vas-y, teste donc. De toute façon, il va falloir qu'on marque la page de publicité. De toute façon, c'est sauvegardé, on est au début du jeu. Est-ce que je peux piquer les sous de la caisse enregistreuse? Non, par contre, je peux la lancer, regardez. Oh, je suis pas content, putain! Voilà, ça c'est possible dans ce jeu. Tu peux t'énerver après des choses qu'on rien fait. Ou des choses qu'on fait, tu vois. Tu peux prendre une chaise de bureau, par exemple. Et dire, j'enlève, m'en fous! Je veux déménager! J'aime pas cette chaise. Voilà, tu peux faire ce genre de choses-là. Eh bien, ce qu'on va faire, je vais retourner dans le menu principal aussi. Sauvegarder, voilà, je souhaite sauvegarder s'il vous plaît, sauvegarde réussite, et je voudrais revenir au menu principal, s'il vous plaît. Voilà, on va retourner au menu principal, et à partir de là, on va essayer déjà de virer ce son, et on marquera une courte page de publicité, parce qu'il y a bien un moment où la pub, il faut qu'elle soit là, comme ça. Mais ce jeu a l'air foutrement intéressant, je le dis. Oui, et non, je ne parle pas via MSN pour avoir un écho, c'est qu'il y a un chat IG. Il y a les deux. Ça. En fait, nous sommes sur TS avec Jinta et de l'autre côté, il y a un chat in-game, hein, IG, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est hyper long le temps de chargement pour revenir au menu principal, nom de Dieu. Oui, je trouve aussi. C'est indécent. Je voudrais au moins vous montrer les différents types de menus que je n'ai pas encore montré encore. Tout va bien. Je pense pas. Hein. Je suis dans le menu principal, mais il y a les mêmes options. On va aller voir ça. On va aller voir ça parce que c'est important aussi de paramétrer le jeu. Ah, donc le mode histoire, le mode cauchemar. Mode cauchemar, redécouvrez Dead Rising 3 encore plus brutal et intense grâce au mode cauchemar. Vous avez beaucoup moins de temps avant la destruction de la ville. Vous ne pouvez sauvegarder que dans les zones sécurisées, les WC portables. Les zombies et les ennemis sont plus dangereux. Il va falloir vous surpasser pour survivre. Voilà, ça peut être très drôle aussi à refaire. Les histoires inédites. Voilà. C'est d'autres citoyens de Los Perdidos. En ligne, c'est ce qu'on faisait. Et les paramètres, allons les voir. Bonjour, bonjour. Sous-titre langue.
graphisme. Non, j'ai pas tout ça. Bon, on va voir ça après la pub. Si vous avez des idées, justement, vous le faites. Là, on part en pub et on revient juste après. Vous ne quittez pas. On va peut-être trouver comment ça fonctionne. C'est pas dit. Mais si vous avez des idées, on prend. A tout de suite. On est ensemble jusqu'à 14h. Il est midi 48 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Alex Lick et nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Oh mon dieu, ça va vite. Et je suis toujours en compagnie de Jinta, l'homme qui m'accompagne sur ce let's play. Excusez-moi, j'essaye en même temps de régler. Quelqu'un est venu nous expliquer, n'est-ce pas, monsieur Épée, bonjour. Il est reparti, je crois. Ah merde, il est reparti. Bah tant pis, bisous à Épée qui est venu nous expliquer comment on fait. En fait, le réglage maintenant se fait sur Steam. Donc tu m'as dit c'est volume de réception seulement que je baisse. Ouais, parce que moi j'essaie de baisser les deux, okay. Du coup. Et okay. Au final, on m'entendait plus sur TS. Ça baisse, d'accord, les deux, c'est pas mal. C'est lié. Pour quelle raison, c'est bien le volume de réception. Normalement, tout est bon. Et normalement, on a coupé le machin in-game. Le micro in-game, on va pouvoir y arriver. Donc, mode histoire. Continuer. Et je vais te réinviter. Et là, on va peut-être pouvoir péter un peu de zombies. J'espère. Parce que là, on en a pas pété 25. Bon, c'est bien, ça s'annonce bien comme opus. On reste dans l'idée du Zombrex. On a une petite intrigue. Je sens qu'on va se rendre compte que peut-être encore certaines personnes ont manipulé les puces Zombrex pour vendre encore plus ou je sais pas quoi. Ça risque d'être sympa. On a un nombre de jours avant que ça nous pète à la gueule. Donc il va falloir se barrer. Bon, déjà, je suis là. Appel entrant. Attends. Moi, déjà, j'invite Jinta. Après je récupère ton appel si tu veux. Voilà, invité à jouer. J'ai un W, oui. Nick, oui. Il y a une belle petite illégale au motel d'Ingleton. C'est bon, oui. Je suis en cours de chargement. Il y a une belle petite illégale, c'est divinement dit, tiens, dites donc. Une belle petite illégale. Je pense que c'est parce que tu chargeais, j'avais un coup de lag. J'avais un vieux coup de lag. Bon, bah c'est cool. Bon, il y a des véhicules, il y a des armes, il y a de la bouffe. Mais ça sent le fail, ça encore. Où es-tu? Je suis en chargement. D'accord, c'est parce que je te voyais pas. Je suis 2 PP. Est-ce que je peux prendre cette voiture style... Non, je peux pas prendre la voiture. Oh non. Ah, on s'entend encore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, par contre? Parce que moi, j'ai tout baissé sur Steam. Vas-y, parle, Jinta. Ouais. Ouais. Oh, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous avez encore foutu, Capcom et Steam? C'est pas possible, ça. C'est pas vrai. C'en est chiant, en fait. Ah, sinon ce qu'on fait, c'est que je me mute sur TS et puis on prend le. Ah, moi je t'entendrai à partir du. Le son est dégueulasse quoi, le son est totalement dégueulasse. Y'a que moi qui t'entendra avec le son du jeu, c'est pas très grave. Vas-y, essaye pour voir. Test, ouais, 1, 2. Non, mais ça en virant TS. Ah! Bah oui, mais à un moment donné, faut réfléchir, Jinta, s'il vous plaît. Ne quittez pas, hein. Ça c'est fait. Jinta, es-tu là? Ouais. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. J'ai l'impression qu'on est en train de jouer ensemble depuis la Roumanie, mec. Oh, cool. Mec, je viens de créer un... Apparemment, je peux combiner avec ça et des ressorts, je crois, de l'huile de moteur. Avec quoi? Alors, attends, faudrait que je regarde le plan. Je vais regarder le plan. Apparemment, je peux faire un truc de ouf. Mais c'est dégueulasse, hein, par contre. Il faut un jouet robot et un carton. Ok, mais donnez-moi du carton. Mais non, mais attends, alors attends. T'as vu, je suis badass, t'as vu ma tête? Ouais, je trouve que t'es badass. Comment t'as fait ça? Comment tu fais pour mettre un casque? Bah, je l'ai trouvé là et puis je l'ai mis. Regarde. Alors attends, je vais venir essayer. D'abord, je fais un combo. Avec le carton, je suis en train de fabriquer un diable à ressort. Excellent! Cool, donc. Alors... Mea me dit qu'on m'entend pas très bien sur le. Ah ouais, non, mais c'est de la merde, je t'ai dit sur le. Oh cool, c'est bon, j'ai mon casque. Ouais. Oh, on va essayer de faire comme ça pour aujourd'hui, puis on essaiera de résoudre ça pour demain. Mais c'est de la merde! C'est de la merde! Alors ça dit justement sur le chat que tous les plans ont un objet à côté. Alors si t'en entendez, vous entendez une voix, c'est normal, hein, c'est Jinta. Le jeu a décidé de nous faire chier. Ce qui est dommage, ça encore, d'avoir foutu absolument du vocal in-game. Si tu veux rencontrer des gens, le problème c'est qu'on sait très bien que le vocal passant par le jeu est toujours cracra. Tu peux pas faire, c'est pas du... Bref. Bon bah comme ça tu feras Bernardo, tu parles pas Jinta, hein, d'accord? Voilà, t'as perdu déjà, t'as perdu, je t'ai dit tu parles pas. Bon, d'accord. J'ai une arme, ok, j'ai des armes, j'ai de la bouffe, j'ai un bagel, j'ai deux armes spéciales.
J'ai une boîte à diable, je sais pas ce que c'est. Explorer pendant que Rhonda est occupée. Alors faut qu'on explore. Ah, il faut qu'on explore. C'est notre... Oh, je peux avoir des chaussures. Attendez. Oh, j'ai mis des bottes de travail. Regardez, regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il gueule, Jinta, là-haut? Qu'est-ce qui se passe? Jinta, j'arrive? Eh, hey, viens. J'ai amené mon PC, on va jouer chez toi. C'est n'importe quoi. Tu vas un coup d'ordi? Eh, tu sais quoi? Donne plein le cul du PC. J'en ai plein le cul du PC. Attends, est-ce que ça passe à travers les vitres? On a plein le cul du PC. Voilà. Tiens, je vais boire un coup. Qu'est-ce qui se passe si je bois? Bah non, mon personnage est pas bourré. Je viens de boire du whisky, mais tout va bien. Bon, bah on verra si on arrive à régler ça pour demain. C'est pas grave. Aujourd'hui, nous aurons un Jinta. Un Jinta Kiku. Du fond de la cuvette. Exactement. Vraiment... Ça fait vraiment du fond de la cuvette, la cola, hein. Vous la vivez dans vos chiottes, ouais. Hein, monsieur. Vous êtes en... Ouais, non, c'est vraiment dégueulasse. Bon, Rhonda, ça y est, on a tout exploré là. Rhonda. Ouais, non, Rhonda, elle veut pas. Rhonda. Explorer, mais explorer quoi? Eh, Rhonda, il y a 2,5 pièces là. Et... Attends, on peut peut-être. Ah, par là. Apparemment, nous n'aurions pas exploré cette zone là que nous avons déjà exploré auparavant. Lunettes d'aviateur. Je vais mettre les lunettes plutôt. Ah, mais j'ai un casque. On les voit pas, mes lunettes d'aviateur, j'ai un casque. C'est con ça. Faudrait que je chope un chapeau. Je suis en train de tout casser. Ouais, bah je l'entends. Hein. Tiens, je vais bouffer mon bagel moi. Je vais me prendre une arme plutôt. Voilà. Un pistolet. Voilà, comme ça j'ai un pistolet, une grosse arme et un pied de biche. Bon, Rhonda, par contre là, c'est pas qu'on veut pas, mais. Ou alors il y a des pièces souterraines, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un tracteur. Voilà, on veut bien le tracteur. Le rouleau compresseur, là, ça me tente bien. C'est bon, Rhonda, là, j'ai bien exploré, là. Je me sens mieux. Et en fait on peut sortir. Hein. On peut juste on peut se casser. Ah oui, mais explorer pendant... Ah oui, d'accord. C'est juste qu'on est trop con, on nous reste dedans. Allez, on y va. Attends, faut que je teste la boîte à diable. Qu'est-ce que fait cette boîte à diable? Je voudrais essayer. Attends, approche pas. Ceci est un test. Ah ouais, ça marche vachement bien. C'est pas comme ça que c'est censé marcher, je crois. Attends. Comment je l'active? Je veux l'activer en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jinta? Mais qu'est-ce que c'est? La livraison. Vous voulez un colis? Mais rien que pour ça, c'est juste excellent en fait. Rien que pour se marrer avec des potes et Dead Rising, y a pas mieux en fait. C'est... Après, les gens font. Non, en fait, l'histoire là. Mais elle est où ma boîte? Mais attends, j'ai pété ma boîte. Elle est où ma boîte? Comment je l'active? Et je voudrais le diable à ressort. Comment je... C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Oh putain. Oh putain, il me bouffe. Il me bouffe. Il me bouffe. Oh, je suis tout plein de sang. Alors attends, je regarde le check. Alex, le nouveau MacGyver, faut la poser pour attirer les zombies. Ouais, d'accord, voilà, tu veux. Mais j'ai mon nouveau sac de chez Prada. Comment on l'active? Je veux bien la poser en fait, mais j'ai compris le but du diable à ressort en fait. Attends, je mets des patates à Jean-Paul là. Oui, aujourd'hui ça sera un Nawak, hein. Les missions principales ne sont qu'un prétexte pour voir Jinta passer avec des bancs. Et tout va bien. Moi je veux savoir comment il marche ce coup puissant. D'accord, peut-être, tiens. Mais que fait la police? Oh bah ça y est, tu m'as déglingué le visage là. Attends, bouge pas. Reste là, Jinta. Tiens, prends-moi ce pot d'échappement. Donc, coup puissant. Je vais aller dans un endroit où il y a du zombie que Jinta n'a pas tué. Voilà. Par exemple ici. Voilà, et on va faire coup puissant. Ah! Allez! Ah, il y a un message. Il y a une fin tragique non loin. Fuitez la scène pour emporter des pépés. Ah, nous on adore les pépés. Regarde, regarde. C'est trop bien en fait le jouet. Il tourne et il est déglingue. Et ça me fait gagner des pépés. Tu fais ça dans la masse, ah. C'est un truc doux. Vas-y, va voir. Va lui faire un bisou à mon truc. Tu prends des coups ou pas? Non. Ok, bon, cassons-nous. Est-ce que je peux récupérer ma boîte après? Style, c'est bon. Ah cool, je peux l'emmener. Oh, mais je l'emmène. J'emmène ma boîte. Ah bah non, je veux la boîte. Bah.
arrive plus. C'est qui l'agent de police ici? C'est qui l'agent de police? Bon, il y a un plan de combo non loin, trouvez-le pour apprendre. Ah bah attends, on va le trouver, j'en suis sûr qu'il est là. Est-ce qu'il y a un plan de combo ici, s'il vous plaît? Cool, il y a plein de bouffe ici. Dans le bâtiment, je t'entendais plus. Grenade! À terre! Attends. Eh non, mais je veux que tu te réactives. Voilà. Voilà, ça va me permettre de manger. Manger de la moutarde, tiens. Ah non, c'est une arme la moutarde, pardon. Un hamburger. C'est n'importe quoi. Si t'es lâché dans le jeu, tu peux être censé... Enfin, elle va péter. Oui, il a attiré tous les zombies du quartier, mais tout va bien. Il doit y avoir une arme combo. Attends, je nous défends la caisse enregistreuse. Hein. Cassez-vous! Voilà. 200 pp d'un coup. Putain, il passe par les fenêtres. Mais vous êtes fous! Attends, je vais lui jeter un bagel à la gueule. Monsieur! Barrez-vous! Mec, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais du lancer d'hamburger et de bagel. Parce que je trouve ça tellement classe. Bon. Y'a Mera qui me dit les plans sont affichés sur la map. C'est un point bleu. Ouais, c'est... je suis en train de me rendre compte de ça en fait. Ici, j'ai un point, je sais pas quoi. Moi, je suis parti, j'ai laissé Jinta dans son délire. J'arrive. Apparemment, il est là, faut monter. Ah, y'a Bob derrière. Il veut pas payer. Je dois payer. Ah, je suis sur. Ils sont sur le bus, les plans. Ok. C'est un plan pour faire un heavy metal. Donc, j'imagine un tuyau. Attends, j'ai une petite faim. Je vais bouffer mon bagel. Voilà. Donc, un tuyau et super combo. Tiens, prends ça. Heavy metal. Alors, par contre, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est que on peut combiner les armes où on veut. Et ça, c'est vraiment bien. Dans le 2, fallait aller à un endroit spécial, etc. Là, on peut vraiment s'éclater à combiner ce qu'on veut quand on veut. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais? Je balance des caisses sur les méchants. C'est trop bien, Donc, faut examiner le motel et examiner le jardin zen. Tu vois, sur la carte. Le motel est à 139 mètres. On fait la course, t'es prêt? C'est tout droit là. Hein. 3, 2, 1, course! Oh putain! Le premier arrivé l'a gagné. Hein. Ah putain, ça commence mal. Oh putain, Jinta, je t'ai vu tracer. Ah putain, tu me laisses tous tes zombies de merde là. Cassez-vous, courez après Jinta. Il est plus. Ah, je vais arriver premier. Ah, bah sauf que tu me frappes en fait là. Allons au motel. Ok, allons dans l'hélico. Là, on a un truc, inspecter la scène pour emporter des PP. Attends, faut que j'inspecte la scène. Mais j'ai un peu plein de zombies. Voilà, cassez-vous. Apparemment, si on inspecte la scène ici, voilà, explorer pendant que Ronda est occupé, faudra le retourner voir Ronda. C'est n'importe quoi. Je tiens à dire que là, les mousquetaires n'ont qu'à bien se tenir, comme dit le chat. C'est quoi qui a pété? J'ai l'impression d'être un mineur en fait. T'as pris un sac à main? Ouais. Je mets des coups du 8 boutons. Il y a une fin tragique non loin. Bah c'est à dire que là il y a beaucoup de fins tragiques non loin hein. Bah, je viens de tragiquer Mirai, regarde. Allez, fous-moi le camp. Ah, cassez-vous de mon chemin. Je viens de comprendre les combos. Allez. Oh bah alors là c'est PP Magazine, hein, je tiens à le signaler. C'est PP Magazine. Bon là par contre j'ai plus d'armes. C'est aïe là. Ah mais t'es rendu là-bas? Et je sais pas trop où je suis rendu en fait. J'ai essayé cette histoire de fin tragique. Mais c'est un peu blindao de zombies hein, là. On va aller chercher Bob. Ouais, on va... Ah fous-moi le camp Geneviève. Je t'ai jamais rappelé. Et alors, je sais pas où je vais là. Je suis pas bien en vie. Et j'estime pas de bagel, c'est quoi ça? Ah, une boisson énergisante, je prends. Voilà, ça va beaucoup mieux.
Ah, de la viande, je crois que je peux leur lancer ça. Ah putain, putain, fous-moi le camp. Royer. J'arrive. T'es devant moi ou derrière moi? Par contre, alors je sais pas si ça vient du fait que je le stream ou pas. Apparemment faut qu'on fasse gaffe quand même, on a du temps hein. C'est pas comme si dans 5 jours on se prenait une ogive nucléaire dans la gueule. Eh, vous inquiétez pas, on est des professionnels. On n'est pas notre première apocalypse hein. Non, au moins la 6ème ce mois-ci. Niveau supérieur, allez, poussez-vous. J'ai des points mais je les prendrai après. Ah merde, on a passé Bob qui était à 57 mètres. C'est pas grave, on ira voir après. Merde, c'est toi ça. Allez, viens, viens. Ah merde, c'est Ronda, mais on a fait juste machine arrière, mec. Aïe. Bah oui, on a fait machine arrière. Et tu pouvais pas me le dire avant. Bah je te l'ai dit. Ah bon. Bon bah on va voir Ronda. C'est n'importe quoi. Pas maintenant. Tiens, prends ça. Mais est-ce que si on va voir Ronda, ça active une autre journée? Tu vois? Vas-y, monte en voiture. On verra. Oh merde. Ah putain, ils peuvent crever. Bon alors, attends. Il y a le motel. Faut que tu fasses mon copilote là. Hein. Je vais pas m'en sortir sinon. Alors, ouais, alors. Le motel, tu vois, c'est le point bleu. Hein. Tu l'as. Hein. Ouais, je l'ai. Ok. Tu feras gaffe, on a un porte-zombie. On va au bled avec le zombie. C'est parti. Je crois qu'il danse là. Je crois qu'il danse. Oh, il descend. T'es descendu? Ouais, il y avait une grosse moto. Attention, je te suis. Je vais parler. Oh putain. Mais on va où là? Je sais pas. Ouais, mais c'est toi qui est censé être le copilote en fait. Bah, en fait, il y a plein de points sur la mini carte où on est. Aïe. Oui, mais moi je veux la mission principale. Là, y a... mission principale, bah faut aller parler à Ronda. Hein. Non, on a. Regarde, on a. Oh là là, oh là là. On doit aller aider quelqu'un dans un motel et examiner les jardins. C'est pas gagné avec toi. Hein. Déjà qu'avec moi c'est pas gagné, alors là ça va être la semaine du fail, c'est pas vrai. Vas-y, monte. Monte dans ma bagnole. Oh, les classes en plus. Alors trace, je vais t'indiquer la route. Projeter la droite. Voilà, tout droit. Environ tu stopperas là où y a le... Voilà, le point bleu, tu te stops ici. C'est magnifique, on doit aller voilà, on doit aller voir ici. Et normalement il y a quelqu'un de type professionnel de l'hôtel qui nous attend. Au-dessus. Oula. Voilà, madame. Il faut monter apparemment. Madame. Enfin, apparemment ça doit être là-haut. Allons-y. C'est toi qui bugle là. On peut pas passer par là. Par derrière. Et tu vois la barre examiner l'hôtel là, elle descend. Et je relèverai pas ta blague sur toujours par derrière. Ah elle est là, Anne là. Elle est où? Comment t'es monté? Bah elle est là mais. Bah par derrière, je t'ai dit. Une jolie fille comme toi devrait pas être dehors à peindre les murs. Pourquoi tu t'occuperais pas de tes affaires? Laisse-moi tranquille, papa. Je les aime pas. Désolé, on dirait que tu pourras pas finir ton grave puisque t'as plus de peinture. Tu devrais vraiment te sauver d'ici. À l'attaque! Plus tard, ce sera pas possible. Mais leur lance pas des cailloux! Tu travailles pour qui? Pas un caillou, ça! Une taupe? Mais non, je suis pas une taupe! Là, je suis dans le mal. Tu crois que l'art va sauver le monde? Oh, comme c'est mignon! C'est pas pour moi, c'est pour les gens comme moi, ceux qui vivent en marge à cause de ces fascistes. L'autre elle fait des tags, y'a des zombies mais elle s'en fout. Mais c'est... Et pourquoi t'arrêtes pas de geindre depuis tout à l'heure toi? Y a une planque d'illégaux dans le coin. Je crois que je suis mi-PV, ça doit être pour ça. Ça change un peu la donne. Me traite pas d'illégal. Oui, c'est pour ça que je dois terminer. Je crois que t'es pas bien en termes de PV pour qui s'excite comme ça. Des bombes? Mais qu'est-ce que... Ah, des bombes de peinture. Ouais, si tu veux, je peux en trouver d'autres. Mais non, on s'en fout des bombes de peinture, mais c'est pas vrai. Mais j'ai pas que ça à foutre de trouver des bombes de peinture. Mais tu te fous de ma gueule, c'est l'apocalypse. C'est l'apocaslip. Regarde ce qui se passe. T'as vu, on peut pas rentrer, c'est verrouillé. On veut visiter sa chambre. Montre-nous tout. Oh la vache. T'as trouvé... Je vais manger une banane.
Cool, mais moi c'est des bombes. Mais qu'est-ce qu'on va lui trouver des bombes de peinture? Oh, c'est quoi ça? Allez! Yeah! 70 statues récupérées, j'ai gagné 2000 pp d'un coup. D'ailleurs, je vais mettre mon point tout de suite. Ouais, pareil. Alors. Ah oui, les points, j'ai pas mis. Comment ça fonctionne alors? Voilà, inventaire, normalement j'ai plus de place. Et j'ai plus de. Oh, il y a 50 niveaux, bah putain. Ah, cool! J'ai un truc de plus dans mon inventaire. Ça, ça m'arrange. Je vais pouvoir avoir plus de bouffe et d'armes. Ça, c'est cool. Alex, tu te rappelles ce que cherche le héros de Zombieland? Alors, des bombes de peinture? Ouais, mais merde, quoi. C'est la fin du monde, je m'en bats les steaks. En vrai, en vrai. La nana dit, ouais, je cherche des bombes de peinture. En vrai, ouais, bah, bon courage, hein, amuse-toi bien. Moi, je veux survivre. Des bombes de peinture. Je voudrais qu'on explique aux gens en marge de la société. Oh, bah, vas-y, fais-toi bouffer. Oh, clairement. C'est quoi, ça? C'est des briques? Enfin, je vais prendre une brique. Je voudrais attaquer les zombies à la brique. J'ai une hache. Est-ce qu'il se pilote le camion de pompier? Ça me tente bien ça. Reculez, j'ai une brique. Tiens, tu as été briqué. Attends, je vais voir si je peux prendre le camion de pompier. Je te défends. Non, je peux pas. Le camion de police? Non plus. Boire un petit café. Oh, bouclier anti-émeute. Regarde. Le zombie fille là. T'as vu, je l'ai tranché en deux. Ah, tu l'as tranché en deux. Regarde, je suis en anti-émeute. Vous passerez pas. Oh, stylé. Voilà. Alors, on va monter en voiture. Oh. Tu vas conduire. Ouais. Je vais faire le copilote. Sinon, on n'est pas rendu. Je suis à 275 zombies tués déjà. Ouais, ça va vite hein, quand tu les écrases par terre. Mais t'as envie de faire le ménage dans les rues en fait, hein. C'est ça. Ah, on a coupé le même. Bon, on remonte dans la voiture là. Ah, on vire les ceux qui a les squatteurs là. Bon, ouais, les squatteurs là. Voilà, était caché derrière une barrière. Oh, hop, 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 madame. Ne me mangez pas, je ne mange pas de ce pain là. Voilà. Du coup, on y récupère pas de ces bombes de peinture là. Bah, j'en sais rien, on verra bien, on s'en fout. Ok, pour conduire les voitures, il faut que le phare soit allumé ou clignote. Donc nous allons où maintenant? Tu vas tout droit au bout de la rue. Au bout de la rue, là, continue. Vas-y, traçote. Ouais, tu t'arrêtes là, c'est bien là. Là, là, c'est en plein milieu de la rue, là, c'est bien. Ouais, à voter, c'est bon, on est un peu loin, mais tout va bien. Nous sommes des professionnels de l'anti-émeute. Bonjour, c'est la police. Mets-toi au sol, monsieur. Tu te mets pas au sol? Ah, bah, j'ai trouvé une des bombes. Bah voilà. Je vais voir Jean-Jacques là. Oh. J'ai trouvé un engin de guerre massif. Quand tu me rejoins au point là. Oula, oh la vache. Et je crois après que les motos et tout. Ah, ça je peux la piloter. Ok. Après on peut les. On va choper des plans aussi pour les véhicules. Mettre des armes et tout. Ouais. Ouais. Comment on rentre dans ta baraque? Oh merde. À part la porte, mais il y a du monde devant. Attention. Peut-être qu'on fait toc toc. Toc toc. J'ai fait tomber ta moto, hein, je m'en excuse. C'est pas grave. Je suis désolé, hein, j'ai rayé la peinture de ta moto. Moi, je crois qu'il frappe un coup, ça va falloir rentrer dedans. Est-ce que si je fais Sartre? Non, ça te bloque pas. Hein. Ah, y'a des plans là, y'a des plans. Oh, je peux créer un nouveau truc. Un méca dragon, je sais pas ce que c'est, mais je vais faire ça tout de suite. Méca dragon. Tête de dragon chinois et parasol. Ah merde, tête de dragon. Il y en a deux. Ok, tête de dragon chinois et katana. Il est où le parasol? Il est là. Non, mais non, je veux pas le jeter. Je veux pas un katana. Donne-moi un parasol, s'il te plaît. Ah, faut que je bouffe des trucs ou que je jette des trucs. Bah, tiens, je vais le bouffer. Et je veux le bouffer, j'ai dit. Voilà. Donne-moi la tête de dragon chinois et je combo breaker. What the fuck? C'est quoi ça? Jinta, regarde! Attends, je sors. Tu peux cracher le feu avec ça? Je pense. Oh, je peux voler! Oh, c'est badass! Putain, c'est abusé! Je viens de trouver un katana! Oh, super clic quoi! En fait, dans ce jeu, t'as juste. L'histoire principale, c'est pas que tu t'en fous, hein. Pardon, excusez-vous. Aïe! Pas la tête.
écrasé dans un mur. C'est trop classe. C'est trop classe. Donc. Alex, au secours. Ah, j'ai des pétards aussi, attends. Qu'est-ce que tu fous encore? Je fais le samouraï. Voilà. Mais il faut qu'on fasse l'émission en fait. Il y a quelque chose à faire dans cette maison. Viens, je suis déguisé en dragon. Bah, sauf si tu l'as déjà activé. J'ai récupéré, il y avait une bombe de peinture. Ok, donc ça doit être bon. Ici, ouais. On n'a plus rien à faire, donc c'est bon. De la laitue si tu veux, il y a de la laitue. Attends, je vais prendre de la laitue, on sait pas. Voilà, j'ai rien de manger de la laitue. Regarde. Je vais te montrer un truc dehors, regarde. C'est trop stylé. Regarde. What the fuck? Lance d'assiette chinois. Attends, je monte. Bah dis-moi après où on va sur la carte. Alors la dernière bombe de peinture. Là tu prends la première à ta droite, à ta gauche. Ouais, c'est un peu complexe là, mais tout va bien. C'est pas grave, attends, je gère. Ah, merde. Ah, oui, je suis pilote de moto de père en fils. Demi-tour. Non, non, t'inquiète. À gauche, là, ouais. Pas... Ça veut pas passer. Donc je repars dans l'autre sens. Va tout droit là. Vas-y par là. Après tu vas à droite. Tu iras tout droit, tout droit, tout droit. Un peu compliqué en moto, hein, mais tout va bien. Ouais. Là c'est bon. Et là je vais où? Hein? Tout droit encore. Ah merde. Toi bien, ne t'inquiète pas, je suis pile. Oh putain, saute, saute, saute. Tout va bien. Il va à pied, c'est pas grave. Ouais. Ça nous fera le cardio. C'est complètement abusé ton truc. Je mets des coups de boule dragon, mon pote. Appelez-moi Dragonfly. Un coup de tête balayette. Il vole avec la tête de dragon. Allez. Les étoiles, je sais pas trop ce que c'est en fait. Il y a des étoiles. Ouais, faut qu'on aille voir. Faut qu'on regarde à quoi correspondent les étoiles. Ça, c'est important, je pense. T'as trouvé quoi? Non, parce qu'on a juste des zombies partout. Hein. Attends, 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 attends. Ah merde, c'est une moto. Je pensais que je pouvais prendre le machin là. Si, je peux. Attends, Jinta, j'arrive. Pousse-toi, Jinta. Je fais le passage. Vas-y, récupère la bombe. Je fais le béton. Oh, il y a un saut à faire ici. Il faut que je fasse ce saut. Allez, poussez-vous, messieurs, dames. Je fais des travaux, moi. Hein. Ah, mais comment je suis en train de tuer des zombies par... Je te dépope la rue. Hein. Tu vas pouvoir ressortir tranquillement. Moi, je fais mes travaux. La DDE est là. Je tenais à le dire. DDE refrain. Oulô. Dédé représente. Ah bah là Dédé représente. Je sais pas si tu peux monter avec moi. Ah mais grave pas. Attends deux secondes. Je pense pas que tu puisses monter. Non. Ou si tu peux. Allez. Tout va bien. Attends, on va faire un saut en DDE. Ça va être mythique ça. Poussez-vous. Ah le saut, on va juste faire un mètre. Faut qu'on retourne voir Jacqueline. Faudra penser à venir faire le saut ici. Faut qu'on retourne voir Anna du coup. Ouais, on y va. On va lui livrer ses bombes de peinture. Oh la vache! Oh putain! Pardon, excusez-nous, nous faisons des travaux. À droite. Je repeins les sols. Je refais les lignes blanches. À gauche là ou à droite? Ouais, c'est bloqué. Non, à droite, à droite. Pourquoi à droite? Parce que Anna elle est à droite. Ouais, mais on va. Attends, je fais le tour. Ouais, mais Anna, c'est elle qu'on a rendu les bombes de peinture. Bah, je vais voir. Attends, j'arrive. Je prends mon engin de chantier, j'arrive. J'ai trouvé une transversale. Y'a Pompadette qui dit en vrai, ce véhicule est hyper bien en cas d'attaque zombie. Bah, tu m'étonnes. C'est un engin de construction, t'écrases tout, hein. Humain, animal, objet, ça passe, hein.
Ça passe, nickel. Hop là. Ouais, j'approche des 500 tués là, tout va bien. Et puis en plus il a l'air de prendre zéro dommage, hein. Ça va être mon véhicule de prédilection. Hein. Oh putain, oh putain. Le mec il essayait de me sortir du... Vas-y, rends-lui ces bombes de peinture là, qu'elles nous foutent la paix. Ouais. Enfin, il y a même le petit bruit quand tu recules. Bip, bip. Donc qu'est-ce qu'elle donne? Pour l'instant elle a rien donné. Ça fait de la peinture sur le mur. D'accord, j'arrive Anna, je voudrais voir ça. Je suis un homme dragon. Ah, elle a ouvert la planque là. Cool, j'arrive. Oh, il y a un plan, il y a un gros plan dans la planque. Cool. Merci Anna, tout ça pour taguer un rond, non mais sérieusement. Fallait prendre du sang de zombie, ça allait plus vite. Le plan de l'arme d'Ast. Oh, et tu dois avoir de quoi la créer juste à côté, je te laisse la tester celle-là. J'ai pris toutes celles d'avant. D'accord, ça marche. Donc je te laisse la tester, et c'est ici qu'on va... Oh, dans la penderie, cool. Mec, je peux... Regarde. Je me suis mis en militaire. Super. Je me suis mis... Oh, c'est quoi ça? Tu peux te mettre en plein de trucs possibles. C'est bien. Je crois qu'il me semble qu'il y a 50 costumes. C'est bon, je suis prêt, hein, je suis en slip. Bon, c'est peut-être pas bon le slip. Je vais me mettre en colonel Click, regarde. Ça, c'est classe, le colonel Click. Salut, c'est moi, colonel Click. Jinta il est en mode ensanglanté. Attends, je peux faire quoi d'autre? En slip c'est bien aussi, regarde. Hé, hey, salut, ça va? Je reviens de la... je me suis fait piquer mes vêtements. Attends, j'essaie de voir où est-ce qu'on peut fabriquer l'objet là. Alors, ah voilà. C'est quoi ça? Tenue cachée de sang de zombie. Bah, c'est pas mal ça. Je me suis mis des tripes de zombie. Tout va bien. On s'est mis des tripes de zombie. Bon, on va marquer une courte page de publicité. Alors peut-être que dans le jeu de ce fait là, ça va continuer la vie du jeu. Bah c'est comme ça, c'est pas grave. On aura moins de temps pour tuer tous les zombies. Vous quittez pas. Jinta, tu as pour ordre de me protéger. Hein. Ne rigole pas avec ça. Tu dois me protéger. On marque une courte page de publicité. On revient ici quelques instants. On est ensemble jusqu'à 14h sur Dead Rising 3. Et bien tout simplement, à tout de suite. Il est 13h28 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis toujours en compagnie de Jinta et nous sommes sur Dead Rising 3. Jinta, es-tu là? Ouais, je suis toujours là. Du fond de tes chiottes quand même aujourd'hui. Alors on explique hein, pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi il est au fond, au fin fond. Hein. C'est simplement que normalement on a tout qui se passe bien, mais le jeu nous a activé aussi le vocal du jeu. Donc il s'est déconnecté, le Jinta, pour pouvoir laisser qu'on n'ait pas un double écho. Je vais lui donner un objet, elle. Tiens. Enlève-moi ça de là. Mais comment ça t'en veux pas de cette arme? Tu crois qu'on peut la tuer? Non mais non, faut qu'on l'emmène. Tu peux foutre ça à la poubelle. Mais donne-lui quelque chose là. Geneviève, faut qu'on discute. Tiens, prends cet objet. Prends ce tuyau de plomb. Voilà. Oh, mortel. Bon, elle voulait pas de notre truc anti-émeute, mais veut bien un tuyau de plomb. Elle est conne hein. Pécari, c'est quoi le pécari? C'est pour mettre un casque. C'est pour mettre les casques. Oh lui, casque à pointe mon pote. Ça c'est un... Ah bah oui, mais pourquoi il l'enlève quand... Ah oui, mais dans ce cas-là, j'ai que ça. Je tape avec. Ah ouais, c'est pour mettre des coups de boule. Attends, faut qu'on teste. Coups de boule. Tu peux faire pareil avec un saut? Non, non. Bon, quelles sont les prochaines missions? Ouvre le casier et pose la fille. Hein? On peut ouvrir le casier et la poser? Attends, je regarde. Apparemment, on peut faire un truc avec le casier. Je veux pas un dans le chantier. Eh, cassez-vous les cônes et tout le merdier là. Voilà, casier d'armes. Oui, sauf que... Oh, ils vont me faire chier. Voilà, on va y arriver. T'as réussi, toi, à ouvrir ou fermer le casier d'armes? Voilà, donc... Ouais, tu fais B. Donc... T'as vu, c'était pas plein d'objets au sol. Je crois que j'ai bugué le truc. Tu fous le bordel. Je crois que j'ai tout cassé. Ok, juste il te donne ça, mais on s'en fout en fait. Ouais, comment ça marche ça? Ah, divers, d'accord, c'est là où tu peux sélectionner les armes, cool. Découpeuse, ça me tente bien. Casier en cours d'approvisionnement, putain j'ai bugué le casier, ça y est j'ai fait de la merde.
jouer robot. Ah ouais, tu peux te réapprovisionner, marteau de choc, découpeuse. Ah merde. J'ai pété tout le... J'ai pété le casier, sa gueule, sur le chat. Alex, fallait pas faire ça. Oh, mais y'a trop des trucs de ouf. Regarde, y'a un glaciator. Et ça coûte des trucs ou quoi de l'acheter? Merde, j'ai tout pété. Tu peux, toi, ou pas? Contenu téléchargeable. Ah, putain, j'ai pété le casier. La barre bleue. Ah, merde, faut qu'on tue. Faut qu'on tue. C'est-à-dire qu'on a trop fait les cons. Bon, c'est pas grave. Bah, on pourra le faire. Ouais, on pourra le faire une autre fois, c'est pas grave. On lui laisse son tuyau de plomb, là. Et on prend la voiture. Alors, attends, où est la prochaine? Il y a des étoiles. Je voudrais qu'on aille voir. Rouge, là, examiner, attends, il y a une étoile juste là. Je voudrais qu'on aille voir. On va aller examiner. Oh, putain, non. Oh, j'ai failli passer dessous. Vas-y, fais-moi le chemin. Il y a une étoile, je voudrais aller voir ce que c'est que cette étoile. Elle est juste là après. Ah, il y a une étoile, visitons. Ça doit être le... Attends. Est-ce que c'est au barbershop? Du shampoing, on s'en fout. Je vais pas me battre avec du shampoing, faut pas déconner. Donc c'est... Si, ça a l'air d'être ici, hein. Non. Je sais pas à quoi correspondent les étoiles, mais Oh, moustache de camionneur, je veux. What the fuck? Il y a moustache de pompier. Mais attends, je suis tout nu. Mec, j'ai pris moustache de camionneur, je suis tout nu. Mais pourquoi j'ai donné? Merde, mais qu'est-ce... Mais en fait, dans l'idée... On s'est fait eu. On s'est fait eu, là. Ouais, bah... C'est pas grave, hein. Regarde-moi. Attends, est-ce que je garde la moustache? Moi, je vais garder la moustache, ça me va tellement bien. Je vais prendre un café au cas où. Voilà. Et on va trouver cette étoile. Elle est où, l'étoile? Excusez-moi, monsieur. Elle est à l'autre bout du quartier. Non, mais là, il y a une étoile, ah, tu vois. Qui... Ah oui, l'étoile. Ah, ouais, je cherchais ce que c'était. Les étoiles, un grand laser vert. Recule, viens voir. Ouais, viens voir. Où je suis. Et tu regardes au-dessus. Mec, je suis pied nu. Et tu vois, il y a un halo vert, là. Ok, faut qu'on monte, alors. Là, montons. Regarde, là, il faut échelle, passer à droite. Y a une ok. Qui... Ouais, ouais. Qui relie les deux, donc je pense qu'il faut rentrer dans ce bâtiment. Peut-on rentrer dans ce bâtiment? Non. Non, c'est niqué. Donc... Trouver une autre entrée. Je ne sais pas quoi c'est, ce que c'est que ces étoiles. Donc il faut les. Il faut trouver ce que c'est. Il faut aller visiter. Il doit y avoir moyen de rentrer quelque part. Poussez-vous, excusez-moi, je suis moustacho. Moustacho a toujours la prio. Comment on va monter? Ok, c'est bon, j'ai trouvé où on va rentrer. C'est Didier qui m'a montré la voie. Voilà. Est-ce que je peux... Comment je peux rentrer là? Comment je peux rentrer? Je peux pas glisser dans les... Merde alors. Tu vois, il y avait un conduit ici, mais apparemment je peux pas rentrer. Ah, c'est de l'extra game. Si, là, regarde. Hop. Et voilà. Ah non. Ah, t'as monté. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai monté. Ah si, là. Mais d'où t'as besoin d'aide? Allez, mais arrête. Oh, une faucheuse. Qu'est-ce qu'il faut pour faire la faucheuse? Alors, pour faire la faucheuse, une faucille, un katana. Bah, je les ai. Ah ah! T'es niqué, c'est moi qui ai la faucille. Bon, je te la rends. Ça me fait plaisir. Fais-toi la faucheuse, mais rends-moi mon. Par contre. Mon monitoring de combat là. Voilà ça. Tu fais flèche du bas. Fais-toi cette faucheuse et on y va là. Hein, parce que. C'est pas tout ça, mais. Donc apparemment, c'est de l'extra game. Oh! Ouais, en fait, je pense que il va falloir mettre en place, sauter, rentrer dans le bâtiment, chercher les étoiles. Bon, après, on n'a pas fait tout le tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Des briques? Je m'en fous. Ah merde, c'est toi que je viens de frapper. Oh la vache! Mais arrêtez de me découper, monsieur, s'il vous plaît. Bon, prenons. Il est où notre véhicule là? Là. Il est où mon rouleau compresseur là? Qu'on y aille. Il est là. Et on va aller au jardin zen.
suis On va aller au jardin zen. Monsieur, poussez-vous. Oh la vache, ton truc là, comment ça découpe. Allez, montez dans le camion. Ah. Anna. Apparemment Anna elle veut pas monter. Bah c'est pas grave, tu nous suis à pied. Anna, vas-y suis-nous à pied. Tu nous suis là ou pas? Allez dégoûté. Si c'est bon, elle nous suit à pied. C'est bon, elle suit. Oh putain. Attends, c'est je maîtrise. Attends, je prends la moto. Vas-y. Ah le jardin zen il est où? C'est la flèche rouge. Ok. Mais je te fais un... Oh le con. Oh le con. Je te faisais un passage. Fous-moi le camp. Ouais la flèche rouge, 118 mètres. Tu me suis ou pas? Avec Anna? Ouais. Elle est à l'arrière de ta moto? Non, ma moto elle a pété. On a perdu Anna ou quoi? Je suis. Anna elle est... Ah merde, je sais pas où elle est. Bon bah on a perdu Anna, tant pis. Au revoir Anna. Tant pis pour elle. Pas très grave hein. Elle me saoulait avec ses tags. Trop loin, je... Oh, regarde, t'es allé trop loin. Bah va la chercher. Ah non, elle a disparu, je sais pas où elle est. Ah, il y a une fille à secourir là, Dana. Ah bah c'est dans le jardin zen. Ouais, c'est quoi Dana dans le jardin zen? L'entrée du jardin zen est là où je suis. Et je suis toujours en slip, mais tout va bien. Ouais. Ce qui est bien de mon truc anti-émeute, c'est qu'il fait pas mal comme un truc de ouf, mais il est vachement résistant. Il est toujours pas mort le merdier. Bon, allons dans le jardin zen. Et qui dit jardin zen dit super dragon. Super dragon. Ah merde, cinématique. Oui, il y a une cinématique. Ouais, parce que c'est une mission que nous a donné l'homme qui appelle au téléphone mais qui ne nous entend pas, qui lit sur les lèvres. Entre petit scarabée. Oh putain, il a pété un pour lui. Paix dans paisible jardin. C'est pas vrai. Des zombies sont entrés, vous allez bien. T'as la classe avec ta moustache. Ninja Gaiden 2, mon pote. Parcours nouvel. L'univers annonce à nous qui sera prochaine cible. Oh putain, non, non, on est amis, nous. C'est pas parce que vous parlez bizarrement que ça veut forcément dire quelque chose. Et oui, pont d'après, la faucheuse est donc un homme blond avec une coupe afro et une moustache de camionneur. Alors, c'est exactement ça. Moi aussi, devoir tuer. Quiconque ose perturber paisible jardin doit mourir. Il a craqué, on est potes, là. Vous avez fait ça? Ces gens voulaient se mettre à l'abri, pourquoi vous les avez tués? Je suis trop crédible avec ma moustache. Putain, il me lance des balles de tennis fumigène. Putain, il a craqué. Oh, Jackie Chan. Oh putain, il a pété un plomb, Jackie. Attention. Oh. Attends, attends, je vais lui faire une attaque. Dragon. Attaque. Dragon. Moi, être plume dans tempête. Tiens, moi te mettre des coups de boule dans ta... Oh putain, la vache. Il déconne zéro lui. VG. Oh. Est-ce que je peux gonger? Round 2. Oh. Round 3. Ah bah il n'y aura pas de round 4. Appuyez sur RS pour vous concentrer sur le psychopathe. Il est où le psycho? Ok. Attends, je vais gonger. T'es prêt? Ah bah voilà, ouais, super. Ah merde, il est où ce con là? Apparemment il est là-bas. Et il serait là-bas. Oh putain, oui, il était sur le toit. Chien. Le mec il nous fait tigre et dragon quoi. Moi je fais coup de boule et dragon hein. Je vous tape tous les deux hein, j'en ai rien à secouer. Oh la vache. Il faut absolument un café là. Je vais jouer un marteau de rock. C'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi, je vais tirer. Oh, je lui ai mis 3 balles. Oh, je lui ai mis 3 balles. Il a stoppé net. Alors, tu fais le malin que ta lance? Moi, j'avais un pistolet, mon pote. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il parle à qui?
À qui tu parles? Je suis tout plein de sang, mais j'ai toujours un slip avec une clé anglaise dessus, mais tout va bien. Tu te pourras pas vous dire si tu vendais fou. Oh putain. Mes enfants. C'est tellement ils sont tous le swag incarné. Des sales gosses, sans respect. Je suis pas un sale gosse, je suis moustacho. Une putain d'épidémie de zombies. Garde ton langage, cher ami. C'est une blague. Le mec, il a pété une durite, quoi. Oh putain, oh non, non, non. Reste couché. Il est ouf, ce gars. What the fuck? Moins de 18, hein, Erlek. C'est écrit. Bon appétit. Ah, c'est parfait. Cool, il nous file un plan. Putain, 20 000 pp le psychopathe, hein. Ouais. Ah. Et alors, attends. Apparemment, j'ai eu un plan ou un objet. Ah, on a des points. Je vais prendre de la vie. Parce que ma vie descend trop. Voilà, corps à corps. J'ai mis un point, oui, dans l'astuce. C'est pas mal, ça permet d'afficher plein de trucs sur la minimap. Genre les plans. C'est fait. Comme ça, je pense. C'est stylé. Non, j'en ai plus des points. Ok. J'aimerais voir un truc. Oh, j'ai mis deux points dans l'inventaire, je peux avoir une 5. Mec, j'ai son arme cheatée. What the fuck? C'est une arme de combat rapproché au corps à corps de distance. Le mec, il s'est harakiri, mais sévère, quoi. Attends. Ça va. Match terminé. Oh putain, j'ai plus de tête de dragon. Apparemment, elle est foutue, ma tête de dragon. Bon, si, c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Joli banc. Attends. Donc, regardons la carte. Nous sommes ici, nous devons retourner voir Rhonda. Ok, on a plein de petites icônes. Je sais pas à quoi ça correspond en fait. Tu vois les icônes bleues, les espèces de roues. Ouais, des trucs bleus. J'ai l'impression que c'est peut-être des plans ou des... Je sais pas, faudrait qu'on aille voir, il y en a un juste à côté. Il y a des petits engrenages dessus, à mon avis ça doit être des items assez spéciaux. Ah, légende, voilà, tout simplement. Il fallait les afficher. Alors, mission du chapitre, c'est jaune. Mission secondaire, c'est bleu tu cours, enfin blanc tu cours et rouge. Ah, entraînement de survie, c'est les étoiles, les marqueurs, ok. Zone sécurisée, donc vert, c'est les zones sécurisées, c'est des espèces, les maisons. Les zones rouges, c'est des zones sécurisées mais infestées de zombies, donc pas vraiment sécurisées en fait. La voiture, c'est le garage, ouais. C'est des plans. Toutes les roues crantées, c'est des plans. Ouais, et après, c'est des objets à collectionner. Ok. D'accord. Donc, il faut aller chercher des plans, quoi. Si on en voit, il en faut. Parce qu'on aura des plans de voiture, là, on aura... Ouais, il y en a un là. Super là. Clic. Ah, on voit d'ici, là. C'est une liquide partie. Hop. Voilà, foutez-moi le camp. Il est où, le plan? Là. Ouh, les grandes blocs. Oh, le point du dragon. Quartier chinois, hein, point du dragon, normal. Grandbox et moteur de... Je suis désolé encore une fois, j'ai le rhume, donc je suis pas en grosse forme aujourd'hui. Mais promis, demain, ça ira mieux. Oh, j'ai mis des mocassins, mon gars, moustache mocassin. Attention derrière toi. Voilà, je vais prendre de la nourriture chinoise plutôt. Je trouve ça mieux pour se battre. T'as des chaussures kung fu si tu veux là, t'as des chaussures spéciales. Ouais, je les ai pris. Je te jure, on croirait que tu vas à un match de boxe classé. Et en poids semi-léger, Jinta. Wow, poids plume. Bon, on va aller voir Martine là. Au passage, on va se faire quand même 2-3 plans. Parce que je pense que c'est important de se faire les plans. Est-ce que je peux te monter là-dedans? Dis-moi que je peux prendre ça. Ouais. Pousse-toi. Attends. Il faut que je... Ok, monte. Je veux une guitare. Vas-y, monte. Tu peux pas monter dans mon chariot? Attends, bouge pas. Non, tant pis. Voilà. Non. Je vais faire les courses. C'est les soldes. Mec, il y va en slip. M'en fous. J'abandonne ma faucheuse, elle est complètement down. Bon, moi il me reste quoi? Il me reste pas grand chose en fait. Bossu, il me reste plein de trucs. Voilà. C'est moi le malin là. Donc, allons, on va faire les plans au passage là, mais. Là, il y a un saut à faire. Il y a un plan apparemment par ici, dans la baraque ici. Faut qu'on trouve comment rentrer. Au passage, on va se faire un petit plan. Bonjour!
Avec les chaussures cool bouche, je suis tellement classe. T'avais le costume de ninja dans le magasin, on y retourne, tout de suite. Apparemment, il y a un costume de ninja complet. En mode ninja click. Putain, il tenait la main d'un pote, lui. Waza. Oh, par contre, les combos à la manette se passent plutôt bien. Ça passe plutôt bien, les combos. Qu'est-ce qu'il fait? Il se bat tout seul, j'aime ça. Non, non, non. Regarde, hop. Allez, défends-moi. Et tu fais le poids du dragon. Ah, radio cassette. Ah, j'ai des disques. Ça, ça déchire. Oh, regarde mes armes. C'est la box, mais pour les badass. Ouais, mais moi, il est où le costume de ninja là? J'ai les chaussures, mais il est où le ninja? J'ai des ciseaux. Une paire de ciseaux. Ah, là, ici. Là. Oh, lui. Ninja. Ninja. Regardez, je suis maître moustache. Oh merde, je te mets des coups de ciseaux. Tchac, 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 tchac. Un ninja peut se battre avec des ciseaux. Un ninja peut se battre avec des ciseaux. Son, son, son. J'ai pété un pont là, ça y est. Ninja plus ciseaux égale grand clic. J'ai appris tous les points, vitaux. Oui, mais c'est des morts vivants. Oh merde. Bon, allons-y, on va essayer de trouver le plan juste à côté. Toi et tes points cheatés. Et ça a l'air de se propulser en fait. Ouais. Wouhou. Maîtrise de Kung Fu. Hein. Maîtrise du ciseau. Donc les plans ont l'air là-dedans. Comment on peut rentrer? Toi tu sors par la conduite. Oh la vache, non mais évite de me tirer dessus en fait. Fous-toi loin de moi, dans l'idée. Ça te fait du dégât. Ah bah oui. C'est ça, on peut pas le prendre là. Non, on peut pas le prendre. Non, je sais pas où est le... Je vais me battre avec un clavier. Est-ce que c'est un Razor? Parce que si c'est pas un Razor, j'en veux pas. Par contre... Ah là, il y a le point vert, attends. Il y a le fameux point vert qui est là. Oh, chier. Ah oui. Entraînement de survie. Entraînement de survie. On commence. Go. 57 secondes pour faire quoi? En niquer un maximum. Ah ouais. Plus on en tue, plus on gagne de points. Vas-y, vas-y, go, go, go. Faut tuer plein de monde là. Encore 15 à tuer. Venez ici, go. Non, 15, c'est pour la médaille de bronze. Ouais, ouais. 69 pour la médaille d'or. En 40 secondes, 69. Au moins qu'on ait la bronze pour pas être minable. Ah, je spam là, je spam. Oh putain, j'ai plus d'armes. Tout va bien. Oh, dégage. Oh, comment c'est cheaté ça. Il reste du monde chez toi. Oh. Mais elle est trop bien cette arme. En fait, selon... Oh. Aïe, aïe, c'est moi ça. Je ne suis pas un zombie. Temps écoulé. Oh, on est en bronze. Eh mais mon arme, elle est vraiment stylée. Bah, trop bien, celle-là il me la fout en boucle. Hein. Regarde ça, attends, je te prends un témoin. Regarde, appartement témoin, regarde celui-là. Regarde, un. Ah bah, lui je l'ai découpé. Oh, bah. Voilà, et là je peux faire une attaque puissante. Bon, voilà. Moi à la base je voulais le plan en fait. Je voulais les plans. Regarde sur la minimap, il y a une, juste à côté du plan, quand tu tournes le joystick, tu vois une maison rouge. Ouais. Avec une sorte de porte, je me demande si c'est pas de l'autre côté en fait. Eh bah allons-y, allons voir. Oh, foutez-moi le corps, s'il vous plaît. Oh, mais c'est... elle est stylée cette arme. J'ai tué 649 zombies en un jour, mais tout va bien. C'est, je crois que je suis rentré dans le bon truc. Ah, quoi que, peut-être pas. Oh! Il va falloir que je commence à penser à une autre arme, moi, parce que là j'en ai plus qu'une. Ça craint du boudin. Mais avec un peu de chance, c'est moi qui activerai le plan. Qu'est-ce que tu fais? Jinta, on n'est pas là pour. Bah oui, mais on n'est pas là pour voler des écrans. On est là pour voler des nounours. Tenez, monsieur. Ah, I'm fine, thank you. Tenez! T'as déjà pris un coup de nounours? Lâche le nounours. J'adore quand tu tapes avec, ça fait pioup, 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 pioup. Attends, regarde, regarde.
stylé. Bon, je vois pas comment on y rentre là, mais ah si, apparemment par au-dessus. Mais comment tu rentres par au-dessus? Bon, vas-y, laisse tomber, on le trouvera un autre jour. Hein. C'est pas très grave, il y a des points, je pense qu'il faut les chercher. Monte sur le transformateur bleu, puis sur le toit. Alors, transformateur bleu, il est où? Il y a un transformateur bleu apparemment. Puis le toit. Donc peut-être sur le côté. Ah oui, ouais, il y a un transformateur à gauche. Dans la rue. Pas maintenant. Que c'est ça? Un transformateur bleu. Peut-être dans la petite allée. Allez! Ninja click quoi. Enfin, une perceuse, j'en avais pas des comme ça. Ah ouais, transformateur bleu, d'accord. Oui, mais lui, en fait, complètement. Hein. C'est bête. Oh, on m'appelle le percuteur. Ah ouais, d'accord. Ah, il est vert, mais. Ouais. C'est le plan. Ok. C'est moi qui la monte. Ah ouais, je le veux le débiteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le débiteur? Bah, je pense que c'est les deux trucs qui sont là, à mon avis. Alors, pour le débiteur. C'est une hache et une hachette. Une hache plus une hachette. C'est ça. Ok. Ouais. Alors attends, je vais prendre les deux. Une hachette, une hache. Ok, alors attends, hop, à la place de la perceuse. Ok. Bon, super combo. Attention. MacGyver. Ok, c'est good. What the fuck? Ok, on va quand même prendre la perceuse. Ok, et on va utiliser la super hachette. Ok, on est bon. Et bah, on va s'empresser de rentrer à la maison parce que nous devons rendre l'antenne dans 2 minutes. Oh. Je viens de me rendre compte qu'en fait, dans 2 minutes, donc on est juste à côté de la maison. Ça tombe bien, on y est. On va sauvegarder là-bas. YOLO! Et on va rendre l'antenne pour continuer demain l'aventure. On est à 26 mètres, ça devrait aller. L'aventure sur Dead Rising 3, c'est très fun en tout cas. Au premier abord, clairement, on prend vraiment plaisir. C'est très fun, très sympa. Clairement. Et en fait, limite, tu t'en branles de la mission principale. Hein, soyons francs. 42 mètres, mais. Ah oui, c'est parce que fallait faire le tour. Ok. J'arrive chez Geneviève là. Ah, mais fous-moi le camp. Je voudrais sauvegarder la partie. Voilà, je vais me mettre à l'abri pour sauvegarder la partie. Je suis pas totalement con. T'es gentil, Ginta, tu refermes la porte. Hein, je sais pas comment on fait, mais ouais, tu refermes la porte. Voilà. On va sauvegarder. Tu ne parles surtout pas à Geneviève, hein. On lui parlera demain. D'accord. Voilà. Et nous, on va continuer l'histoire demain. Je serai toujours avec Ginta. On aura peut-être résolu les problèmes de son. Ça, nous le saurons demain, mon cher Ginta. À demain, bisous. Oui, à demain. Merci, merci. Et peut-être que vous serez pas en direct de vos chiottes. Voilà, tout va bien. C'est ça. Bisous. Nous, on se dit à demain aussi, même heure, même endroit. La suite des programmes, c'est avec Julien. Il sera sur du Super Smash Bros. Sur 3DS. Vous ne quittez pas, la suite des programmes arrive là d'ici quelques instants, juste après une courte page de publicité. Nous, on reviendra demain sur la suite de ce Dead Rising 3. Il a l'air de. Vous avez l'air assez mitigé, en tout cas, par rapport à aujourd'hui sur le chat. Certains. Vraiment, ouais, ça a l'air ouf, et d'autres sont un petit peu déçus, apparemment graphiquement. Je rappelle encore une fois que je le stream en 720p et pas au-dessus, tout simplement parce qu'il n'y a pas de grand intérêt de streamer au-dessus par rapport aux connexions de tout le monde, mais qu'en tout cas, il est plus joli chez moi. Voilà, donc prenez toujours en compte qu'un stream, la qualité est toujours légèrement en deçà de la réalité. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Bon après-midi, et puis à demain, midi 14h pour le midi to click. Allez, bye bye.